Et puis Miloud Zenasni vient tout juste d'arriver à la gare Saint-Charles. Ce Marseillais faisait partie de la flottille prise d'assaut par l'armée israélienne lundi dernier. Il avait embarqué à bord des navires en tant que membre du comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Romain Fiorucci et Fanny Fontan l'ont interrogé à son arrivée il y a à peine quelques minutes. Il était parti donc de Paris, il était arrivé à Paris hier et donc il avait embarqué, il vient juste d'arriver à la gare Saint-Charles. On va peut-être pouvoir l'écouter dans quelques secondes, on vient tout juste de l'interroger. À sa sortie, il allait rejoindre sa famille, voilà, on le voit, souriant, il a l'air détendu, embrassant sa famille qui était ici pour l'accueillir. Sa mère est accueillie aussi par tous les photographes sur le quai. Ça y est, on va pouvoir l'écouter. Écoutez. Il salue les amis. Monsieur Rochefort.